Bonjour Luni, bonjour Georges, bonjour Denel et toute l'équipe et bonjour aux auditeurs de Radio Zénith pour un côté avec nous là. Voilà, nous saluons encore une fois Stanley Lucas ou t'as suivi l'actualité ou bien autant des nouvelles là. C'est arrestation sénateur élu département grand dans ce pays à Guy Philippe. Premier commentaire Stanley Lucas. Bon, ou gagne six considérations pour faire. Ou en considération institutionnelle, ou en considération légale, ou en considération au niveau de l'intelligence, et en considération politique, et puis aspect arrestation, et puis qui ça va le faire. Au niveau légal, ça fait là, l'ICITA s'ouvre sous un décret que le Parlement a été voté en décembre 2000. Et mon qui était voté, qui était signé un décret, ça, l'INAN Moniteur numéro 59, pour mon qui besoin copie à quoi ça entre les États-Unis et Haïti, il y a joint ni sur compte Twitter, moins, @StanleyLucas01, ou bien à commercial StanleyLucas01, ou bien sur page Facebook. À quoi son accord qui vient 29 articles là-dedans. Et il signé par deux présidents. Il est signé par Préval en premier temps et Madeleine Albright, qui a dit comment c'est passé dans le Parlement. Et c'était en décembre 2000, et il vient publier, donné au Palais national le 27 juin 2002, en 192e de l'indépendance, Jean-Bertrand Aristide, président, Yvon Neptune, premier ministre, Jocelyn Brivère, ministre de l'Intérieur. Donc, l'on a regardé cadre légal là pour faire analyse. Premier document pour regarder, c'est ça. Deuxième document pour regarder en matière de cadre légal, c'est le rapport 19 pages que direction judiciaire police nationale l'a fait en mai 2016. Donc, ou même, on va l'analyser, les gens, Georges Fortuné, tout à l'heure, ou pour regarder, est-ce que dans le rapport ça, est-ce que c'est un montage politique, ou bien est-ce que tu as gagné des preuves sérieuses pour l'accusation qui t'est faite là. Et c'est le cadre légal. Au niveau institutionnel, ça que fait hier, pas qu'à fait, sans que six mouns dans l'État n'aient pas signé. Pour qu'il y ait six mouns dans l'État qui signent. Président Brivère, ministre intérieur Annick François, ministre justice là, Camille Edouard, ministre affaires étrangères Pierre Odelienne, directeur police nationale là, Michel Ange Déon, ambassadeur d'Haïti à Washington pour l'Altido. Parce que les a déporté moun, ou bien les a fait extradition, par exemple, Raymond Joseph, t'es ambassadeur d'Haïti à Washington. Les États-Unis pas de cas déporté parce que Raymond Joseph pas de blessure. Tout autre ambassadeur a pas signé, il pas qu'à faire. C'est selon les règlements établis. Donc, ça, c'est à l'institutionnel là. Moi, deuxième cas là, qui c'est question légale là. Troisième bagage pour regarder, c'est intelligence. Ça veut dire que qui ça a gagné comme information. Ça veut dire que pour opération ça a fait, faut y remettre by responsable l'État. Avait dit que président privé, ministre justice, ministre affaires étrangères, via ambassade d'Haïti à Washington, il a communiqué par le gouvernement haïtien qui preuve que vous gagnez sous sa yabdia. Si le gouvernement pas recevoir preuve, il n'y a pas faire opération. Et c'est pour ça qu'il est important que le gouvernement vienne bail qui preuve le gouvernement sous qui base il prend décision ça. Est-ce que son opération politique qui est liée ou bien est-ce que son coopération judiciaire est légale? Donc, et dans ce sens-là, dans l'intelligence-là, nous sommes obligés de faire attention. Pour qui ça? Nous songez, et nous-mêmes, dans le train matinal, nous sommes allés sous ça. Wikileaks vient faire nous découvrir que, il y a deux nègres dans le secteur privé pays d'Haïti, ils ont besoin de prendre un porgo naïf, il y a un sénateur qui était bloqué, ils ont pris un porgo naïf, yo t'a assassiné sénateur à non cocktail l'ambassade américaine côté au fond dénonciation yo dit que sénateur a nan drogue mais objectif là c'était éliminer sénateur ça et puis pour qu'a prendre pour go naïf là à cause de WikiLeaks qui vinn mettre toute table secret ça de département d'état public nous vinn apprendre que c'est un montage politique qu'elle était pas de preuve réelle que sénateur ça était nan drogue tout bon. Donc ça veut dire que journée aujourd'hui en matière d'intelligence même ici aux États-Unis, il y a une grosse discussion. Ici aux États-Unis, entre républicains et démocrates. Ils disent comme ça, par exemple, que la Russie est intervenue dans l'élection américaine.
démocrate dit, c'est la Russie qui intervient. Les républicains dit, service d'intelligence, ban nous preuve là. Jusqu'à présent, on va pas bailler preuve là. Donc, ça veut dire que, au niveau intelligence, même par rapport à ce qui passe dans l'Irak, côté où dit, t'es gagné un bagage de destruction de masse, ZAM, il va te joindre. Donc, je dis, ça veut dire que, est-ce que Pierre Odélienne, est-ce que Annick François, est-ce que Camille Edouard, est-ce que Michel-Ange Gédéon et Privert, ils prennent une décision ça sous base d'intelligence que vous recevez et sous base d'accord. Donc, jusqu'à présent, il faut qu'on baille nation explication, il faut bailler. Au niveau politique, premier bagage là qu'on voit, c'est que ça vous dit à vrai, que, vous par, que ça vous dit à pas vrai, les sales souveraineté nous, les sales dignité nationale nous, et là, maintenant, ça, à sa vol, si diable d'accord avec lui, ça, dans quelque soit, quand politique qu'on y a, li sal nous en tant que haïtien. Li drive nous dans fatra en tant que haïtien. A dit que dans quelque soit quand politique koye a Jean fait nan, li pas respecter les procédures, li pas respecter les institutions, li pas respecter les normes au-delà de normes parce que moi-même son démocrate que même quoi dans la justice. Donc la justice sous fond Stanley, dernier point. Avant dernier point Stanley, et vous parlez de preuves que l'autorité américaine est de soumettre à l'autorité haïtienne pour faire procédure ça. Est-ce que l'autorité haïtienne est tenue à rendre publique preuve que l'autorité américaine est baillée avant même que vous fassiez extradition? Est-ce que vous tenue à rendre publique? Absolument. Et parce que c'est notre démocratie que nous y est. Démocratie achita sous la transparence. Si vous arrêtez Saint-Onla, arrêtez Luni, arrêtez Georges, et tout citoyen égal devant la loi, nous avons un système judiciaire et des droits définis par la Constitution de 1987, c'est pas sous du valier que nous y est, côté au carréto, sans que vous pas cadeau pour qu'il s'arrête. Nous avons un système démocratique, et le système démocratique a commencé par ça. Mais en même temps, tout, au niveau politique et institution, nous, c'est pas seulement ça qui fait la sale dignité et souveraineté nationale, non. Mais il sale le président Sénat et sénateur. Parce que l'on des vidéos qui sont sur Internet là, on doit regarder, on doit mettre sous page Twitter, moi, au bas de l'Élica 01, ou bien à commercial de l'Élica 01, l'on regarde des gens policiers devant le directeur général là, police là, qui montrent que le chef pas fait président Sénat, alors que justement, raison qui fait que nous construisons démocratie, c'est la suprématie des autorités civiles sur les autorités militaires et policières, pour les gens qui ont traité le président Sénat devant le directeur général de police nationale, ou moi-même, hier, directeur de police nationale, là, font péché mortel. Même si c'est pour 2 minutes, il était doué recevoir le président de l'Assemblée nationale, même si c'était pour le deal. Non, mais côté espace OTA, ce n'est pas le directeur général de la police, là, non? C'est dans le DCPJ, déjà pas dans l'espace là. Mais le commandant chef, le directeur général de la police, c'est lui qui est responsable des actions de son institution. Oui, mais il n'est pas présent. Il n'est pas présent dans le local de CBJA. Il n'est pas présent. Mon cher, et selon le policier, il est là. Et si monsieur te recevoir le président Sénat, même pour 35 secondes, il dit monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur le président du Sénat, en tant que directeur général de la police, je dois vous informer que j'ai reçu des instructions formelles du président de la République et du premier ministre et du ministre de la Justice. Mon devoir en tant que policier, c'est de respecter mes supérieurs hiérarchiques. M'a obligé de faire ça. C'est l'ordre, moi, c'est ça. C'est comme ça l'État a fonctionné. L'ESA, le président Sénat a informé de ça. L'État prend les décisions qui se posent en tant que président de l'Assemblée nationale. Mais j'ai traité, monsieur, hier, côté où pas la suprématie de l'autorité civile sur les autorités policières et militaires, pour bien t'en l'ouvrir pour pouvoir faire tout détail dans le pays avec la police nationale là. Sous pas corriger ça après c'est. Donc ça veut dire que au niveau politique, en même temps tout, est-ce que son règlement de compte ou bien est-ce que ça a fait un cadre légal vraiment? Et faut faire ça au relais radiographie arrestation. Qui monde qui est impliqué dans l'arrestation? Elle dit qu'il y a 5 ou 6 autorités de l'État, 6 autorités de l'État. Avec 2 mounes qui vont dans l'État mais Stanley Lucas, est-ce que autorité politique qui a pris telle décision, surtout dans le contexte que nous sommes là à côté, nous en face d'une passation de pouvoir, est-ce que a pris sans informer même le nouveau pouvoir élu, en l'occurrence le président élu, Jovenel Moïse, est-ce qu'il a fait sans informer?
Depuis que Pierrot Delienne est fini de remettre Jovenel Moïse, moniteur, comme président élu, par aucune décision dans l'État qui d'importance, si ce n'est pas faire courant que vous avez, depuis son position et un élément d'important que vous avez décision sous lui, son devoir que vous avez pour informer le président élu de la République. Comme vous avez toujours une source pour informer, est-ce que vous avez au courant que vous avez informé le président élu? Jusqu'à présent, selon Sousmoyo, le président élu n'a pas été informé de ces opérations. Et pour ça, jusqu'à présent, pour aucune déclaration ou bien même bureau, M. Bougouan, il faut qu'elle note sortie pour ça. Non, parce que ou pas qu'à intervenu pas avant les autorités du pays. Je vous dis à matin, hein, le nom démocratie que nous y est, son opération autorisée par le ministère de l'Intérieur, par le ministère des Affaires étrangères, par le ministre de la Justice, le président de la République, exécuté par la police nationale, ils doivent des explications à la nation. Mais hier, on connaît tout hier, le président public là, provisoire là, il y a un contact président élu là. Donc, on parle que ça parle pas dans le débat. Et peut-être oui, peut-être non. Mais ça veut dire, s'il est dans le débat, autorité en place, informé, et président élu, donc notre là, il est capable de sortir. Pour politique, Denel fait ton politique par un filade, il doit factuel. Factuellement, c'est que le président de la République. Considérant que. Vous ne pouvez pas répondre. Oui, politique, c'est factuel. Mais considérant que l'autorité actuelle n'a pas qu'à prendre aucune décision sans informer le nouveau président élu, il n'y a aucune décision pour l'engager, quel est le citoyen haïtien. Considérant ça, donc si vous rencontrez éventuellement possibilité pour discuter ça avec lui là. Ok. Et en fonction de ça, et une action comme ça, pas qu'à mener sans que l'autorité qui est dans l'État signe pour eux. Donc, maintenant, par rapport à gêne nationale, ça qui gagne, par rapport à sentiment de viol, ça qui gagne, maintenant, pour Jean Bagay la fête, l'idée de la responsabilité pour le ministre intérieur et Annick François. Parce que c'est lui qui t'a sur la migration et l'immigration. Ministre de la Justice, là, Camille Edouard. Et ministre des Affaires étrangères, Pierrot Delienne. Et le président de la République de donner des explications à la nation. Mais bah, j'aimerais qu'on ait que dans un compte qui est disponible sous vidéo, moi, que dans un compte ça, son grain de bagaille qui a été fait, il a été remettre et président élu, copie journal Le Moniteur qui rend officielle nomination li, comme président élu de la République. C'est ça factuel. Mais en même temps, tout, question pour vous poser, ensemble de réactions qui sont nécessaires, là, je suis d'accord avec. Numéro 1, réaction des responsables de l'État. Numéro 2, réaction du PHTK en tant que parti. Et troisième bagaille là, réaction du président élu de la République. Trois réactions, ça tout à fait. Yo incontournable dans les prochains 48 heures. Et pour que tout le monde connaît qui côté oui. Oh, pour ça tout le temps ça, pour ça tout le temps ça, momentum dans les côté en pile en politique, pour ça tout le temps ça. Non, probablement l'État va réagir comme ça. L'on dans l'État, faut chita toute minutio, faut discuter, faut qu'on scénario de stratégie de communication politique qui ont pas présenté. Bon, quatrième réaction, c'est la réaction du Parlement. Au niveau du Parlement, est-ce que décret ça qui était publié, est-ce qu'il va le changer? Est-ce qu'il va actualiser? Selon l'article 28 décret, il y a deux gens qui ont dénoncé et qui ont décret ça et à quoi. Premier genre, c'est pour dénoncer lui en tant que pays. Donc, pour dénoncer à quoi, conformément à l'article 28. C'est pour ça que demander tout étudiant yo, et jeune qui a étudié sciences politiques qui sont en relation internationale, pour regarder les documents sous arrobas sans l'éducation 01 ou à commercial sans l'éducation 01 ou sous Facebook. Mais bon, là, et aspect et qui est très important et dans la discussion que nous avons fait, c'est que en matière de relations internationales, quelle est notre stratégie de politique étrangère? Parce que ça, vous nous remettez en question. Pour tout pays qui vient en doctrine et en stratégie de politique étrangère, Pas nous, c'est un plus consulat, nous, permettre de nous capables de ces doctrines et stratégies de politique étrangère qui
permettre qu'on ait qui ça intérêt national, oui, intérêt national des États-Unis en Haïti, il y a exprimé lui à travers l'ambassade américaine, à travers TIE, à travers Air Force des États-Unis, à travers tout soutien de diplomatie américaine, non. Ou même, c'est qui j'en vois l'organiser diplomatie pour là, pour défendre tous les intérêts nationaux de la République d'Haïti, et qui monde qui vient répondre donc qu'on va mettre dans la diplomatie ou défendre l'intérêt national ça, ou débarquer lié tout. Ok, c'est le cas, mais quand là, ça me dire là, je vais spéculer, oui, mais maintenant, on a fait une hypothèse. On dit que le président Elia t'a informé, ou est-ce que ce monde a pensé que c'est une trahison que tu as fait là, s'il est informé, ou un commentaire sur ça? Bon, pour moi-même, le président Elia, malgré élu, on entre dans la théorie, supposition là. Même il n'a pas que barré, mais. Ça veut dire que, automatiquement, que l'autorité constitutionnelle a informé lui, je comprends ça m'a dit. Président Obama, il n'a fait mandat lui, mais jusqu'au 20 janvier, c'est le président. Président Obama a conseillé des décisions qu'il a pris là, par rapport à la Russie, que Donald Trump n'est pas d'accord avec lui. Et vous montez sous Twitter, ou sous compte Donald Trump, ou sous compte président Obama, ou après la différence qui gagne entre le président sortant et le président élu qui a rentré le 20 janvier. Obama a dit que c'est Russie qui interférait dans l'élection américaine. Donald Trump dit, lui-même, lui plus qu'on est WikiLeaks, qui c'est Archange, et comment il est encore, Assange, et qui n'a pas WikiLeaks. Elle a dit que, bon, possibilité que, et dans la théorie qu'on fait, que Brivin informé, et dans la vision de souveraineté nationale, Jovenel Moïse, il ne doit pas d'accord. Même s'il dit Brivel pas d'accord, mais Brivel c'est le président de facto jusqu'au 20 janvier, c'est lui qui a autorité constitutionnelle là jusqu'au 20 janvier ou signer et prendre décision, pardon, jusqu'au 7 février pour signer et prendre décision pour nation. Donc c'est ça ma explique là. Non, hypothèse ça, non, cas qu'on s'en président de réagir à pire président lui. Il va là de prêteur. Non, pas nécessairement. Faut le temps d'autorité ou le pas aller au devant des autorités. Ou après que. Donald Trump, pendant que le président est élu, c'est l'air Obama qui a conseillé des positions, que lui-même l'a réagi comme président élu. Et on va avoir deux présidents en même temps. Dans chaque pays qui a une démocratie, ou un président à la fois. Et l'autre président privé, pour qu'il comprenne position ni sous dossier, moi, invite à regarder sous page Facebook, moi, et analyse que j'ai fait le 17 mai 2016. On va regarder la conférence de presse qui était faite dans le Palais National. Pour qu'on même gué enquête sous bagaille au caillou, que par les nationales, dégué t'en fait conclusion, qui moun qui est responsable et qui moun qui a arrêté. Donc, depuis l'FAA, où est que son dossier personnel pour président de facto privé, et ou à comprendre pour qui ça gère le dossier, j'en gère là. Voilà, merci un peu, le stand de Lucas. Bonjour Luni, bonjour Georges, bonjour Denel et toute l'équipe, et bonjour aux auditeurs de Radio Zénith pour un côté avec nous là. Voilà, nous saluons encore une fois Stanley Lucas ou t'as suivi l'actualité ou bien autant des nouvelles là, c'est arrestation sénateur élu département grand dans ce pays, Guy Philippe. Premier commentaire Stanley Lucas. Bon, ou gagne six considérations pour faire. Ou en considération institutionnelle, ou en considération légale, ou en considération au niveau de l'intelligence, et en considération politique, et puis aspect arrestation, et puis qui ça va le faire. Au niveau légal, ça fait là, l'ICITA s'ouvre sous un décret que le Parlement a été voté en décembre 2000. Et mon qui était voté et qui était signé dans le décret ça, l'INAN Moniteur numéro 59, pour mon qui besoin copie à quoi ça entre les États-Unis et Haïti, il y a joindre sur compte Twitter moins, @StanleyLucas01 ou bien @commercial_StanleyLucas01 ou bien sur page Facebook. À quoi sont à quoi qui vient 29 articles là-dedans. Et il signé par deux présidents. Il est signé par Préval non premier temps et Madeleine Albright, qui elle dit comment c'est passé dans le Parlement. Et c'était en décembre 2000, et il vient publier, donné au Palais national le 27 juin 2002, en 192e de l'indépendance, Jean-Bertrand Aristide, président,
Yvon Neptune, premier ministre, Jocelyn Briver, ministre de l'Intérieur. Donc, l'on a regardé le cadre légal là, pour faire analyse. Premier document pour regarder, c'est ça. Deuxième document pour regarder en matière de cadre légal, c'est le rapport 19 pages que direction judiciaire police nationale a été fait en mai 2016. Donc, ou même l'on va analyser les gens, Georges Fortuné, tout à l'heure, ou pour regarder, est-ce que dans le rapport ça, est-ce que c'est un montage politique, ou bien est-ce que tu as gagné des preuves sérieuses pour l'accusation qui t'est faite là. Et donc, c'est cadre légal. Au niveau institutionnel, ça que fait qu'il n'y a pas qu'à faire sans que six mounes dans l'État n'ont pas signé. Pour qu'il y ait six mounes dans l'État qui signent. Président Briver, ministre intérieur Annick François, ministre justice là, Camille Edouard, ministre affaires étrangères Pierrot Delienne, directeur police nationale là, Michel Ange Déon, ambassadeur d'Haïti à Washington pour l'Altido. Parce que les a déporté moun, ou bien les a fait extradition, par exemple, les Raymond Joseph, sur les autorités policières et militaires, pour bien t'en l'ouvrir pour te faire coup d'état, et dans le pays avec la police nationale là. Sous pas corriger ça après CPC. Donc, ça veut dire que, au niveau politique, en même temps tout, est-ce que son règlement de compte, ou bien est-ce que ça a fait un cadre légal vraiment? Et, faut faire ça au relais, radiographie arrestation. Qui est impliqué dans l'arrestation. Elle dit qu'il y a 5 ou 6 autorités de l'État, 6 autorités de l'État, avec 2 mounes qui vont dans l'État. Mais Stanley Lucas, est-ce que l'autorité politique qui a pris telle décision, surtout dans le contexte que nous sommes là à côté, nous en face d'une passation de pouvoir, est-ce que qu'a pris sans informer même le nouveau pouvoir élu, en l'occurrence le président élu, Jovenel Moïse, est-ce qu'a fait sans informer? Depuis que Pierrot Delienne décide de remettre Jovenel Moïse moniteur comme président élu, par aucune décision dans l'État qui d'importance, si ce n'est pas faire courant que vous avez, depuis son position et un élément d'important que vous avez pris une décision sous lui, son devoir que vous avez pour informer le président élu de la République. Comme vous avez toujours une source pour informer, est-ce que vous avez quelque part au courant que vous avez informé le président élu? Jusqu'à présent, selon Sousmoyo, le président élu n'a pas été informé de ces opérations. Et pour ça, jusqu'à présent, pour aucune déclaration ou bien même bureau, M. Bokouman, il faut qu'il y ait une sortie pour ça. Non, parce que ou pas qu'à intervenu pas avant les autorités du pays. Je vous dis à matin, hein, le nom démocratie que nous y est, sont opérations autorisées par le ministère de l'Intérieur, par le ministère des Affaires étrangères, par le ministre de la Justice, le président de la République, exécuté par la police nationale, ils doivent des explications à la nation. Mais hier tout, on connaît tout hier, le président public là, provisoire là, il a contacté le président élu là. Donc on va commencer par un débat. Et peut-être oui, peut-être non. Mais ça veut dire, s'il est en débat, et autorité en place, informée, et président de loi, donc notre là, il est capable de sortir. Pour politique, Denel Seton politique, pas un filade, il doit factuel. Factuellement, c'est que le président de la République. Mais considérant que. Oui, politique, c'est factuel. Mais considérant que l'autorité actuelle n'a pas qu'à prendre aucune décision sans informer le nouveau président élu, il n'y a aucune décision pour l'engager, quel est le citoyen haïtien. Considérant ça, donc si on rencontre éventuellement possibilité pour discuter ça avec lui là. Ok. Et en fonction de ça, et une action comme ça, pas qu'à mener sans que l'autorité qui est dans l'État signe pour eux. Donc, maintenant, par rapport à la gêne nationale ça qui gagne, par rapport à sentiment de viol ça qui gagne maintenant pour Jean Bagay la fête, l'idée de la responsabilité pour le ministre intérieur et Annick François, parce que c'est lui qui t'a sur la migration et l'immigration, ministre de la Justice, là, Camille Edouard, et ministre des Affaires étrangères, Pierrot Delienne, et le président de la République de donner des explications à la nation. Mais par exemple, on est que dans un compte qui est disponible sous vidéo, moi que dans un compte ça, son grain de bagaille qui a été fait, il a été remettre
et président élu en copie journal Le Moniteur qui rend officiel nomination li comme président élu de la République. C'est factuel. Mais en même temps, tout, question pour vous le poser, ou ensemble de réactions qui nécessaire, l'âme d'accord avec. Numéro 1, réaction des responsables de l'État. Numéro 2, réaction du PACA en tant que parti. Et troisième bagaille là, réaction du président élu de la République. Trois réactions, ça tout à fait. Yo incontournable dans les prochains 48 heures et pour que tout le monde connaît qui côté oh, pour ça, tout ça, pour ça, momentanement, il compte en pile en politique, pour ça, tout ça. Non, probablement, l'État va réagir comme ça. L'on a l'État, faut chita à toute ministre, faut discuter, faut qu'on scénario de stratégie de communication politique qui n'ont pas présenté. Mon quatrième réaction, c'est la réaction du Parlement. Au niveau du Parlement, est-ce que décret ça qui était publié, est-ce qu'il va le changer? Est-ce qu'il va actualiser? Selon article 28 décret, il y a deux gens qui ont dénoncé le décret ça et à quoi? Premier genre, c'est pour dénoncer lui en tant que pays. Donc, pour dénoncer à quoi? Conformément à l'article 28. C'est pour ça que je demande à tout étudiant, yo, et jeune qui a étudié sciences politiques qui n'a relation internationale, pour n'a regardé les documents sous arrobas sans l'éducation ou à commercial sans l'éducation ou sous Facebook. Mais bon, là, et aspect et qui est très important et dans la discussion que nous avons fait, c'est que en matière de relations internationales, quelle est notre stratégie de politique étrangère? Parce que ça, nous nous remettons en question. Ça existait. Pour tout pays qui vient en doctrine et en stratégie de politique étrangère, c'est doctrine et stratégie de politique étrangère qui permettent qu'on ait qui ça intérêt national, oui, intérêt national des États-Unis en Haïti, il y a exprimé lui à travers l'ambassade américaine, à travers TIE, à travers Air Force des États-Unis, à travers tout soutien de diplomatie américaine. Non. Ou même, c'est qui j'en vois l'organiser diplomatie pour là, pour défendre tout l'indiqué, dans quelque soit. Quand politique coréa, j'en fait non. Il n'a pas respecté les procédures, il n'a pas respecté les institutions, il n'a pas respecté les normes. Au-delà de normes, parce que moi-même, je suis démocrate que je suis dans la justice, donc la justice sous fond Stanley. Dernier point. Avant, dernier point, Stanley. Et vous parlez de preuves que l'autorité américaine est de soumettre à l'autorité haïtienne pour faire procédure ça. Est-ce que l'autorité haïtienne est tenue à rendre publique preuve que l'autorité américaine est bah, avant même que vous fassiez extradition? Est-ce que vous tenue à rendre publique? Absolument. Et parce que c'est notre démocratie que nous y est. Démocratie à chita sous la transparence. Si vous arrêtez Saint-On là, et arrêtez l'Uni, et arrêtez Georges, et tout citoyen égal devant la loi, nous avons un système du judiciaire et des droits définis par la Constitution de 1987, ce n'est pas sous du valier que nous y est, côté au carréto, sans que vous ne pouvez pas pour qu'il soit arrêté. Nous avons un système démocratique, et le système démocratique là, comment c'est pas ça. Mais en même temps, tout, au niveau politique et institution, ce n'est pas seulement ça que fait la sale dignité. Et souveraineté nationale, non. Mais il sale le président Sénat et sénateur. Parce que l'on regarde des vidéos qui sous Internet là, on doit regarder, on mettre le sous page Twitter, moi, au bas, Stanley Lika 01, ou bien à commercial Stanley Lika 01, l'on regarde des gens policiers devant le directeur général là, police là, qui montrent que le chef passe président Sénat, alors que justement, raison qui fait que nous construisons démocratie, c'est la suprématie des autorités civiles. Sur les autorités militaires et policières, pour être j'ai traité président Sénat devant le directeur général de la police nationale là, ou moi-même, hier, directeur de police nationale là, font péché mortel. Même si c'est pour deux minutes, il était doué recevoir président de l'Assemblée nationale, même si c'était pour le deal. Non, mais côté espace OTA, hein, c'est pas direction générale de la police là, non? C'est dans le DCPJ, déjà pas dans l'espace là. Mais le commandant chef, le directeur général de la police, c'est lui qui est responsable des actions de son institution. Oui, mais il n'est pas présent. Il n'est pas présent dans le local de CBJA. Il n'est pas présent. Mon cher, et, selon le policier, il était là. Et si je te recevoir président Sénat, même pour 35 secondes, il dit, monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur le président du Sénat,
En tant que directeur général de la police, je dois vous informer que j'ai reçu des instructions formelles du président de la République et du premier ministre et du ministre de la Justice. Mon devoir en tant que policier, c'est de respecter mes supérieurs hiérarchiques. M'a obligé à faire ça. C'est l'ordre, moi, c'est ça. C'est comme ça l'État a fonctionné. L'ESA, le président Sénat a informé de ça. L'État prend les décisions qui se posent en tant que président de l'Assemblée nationale. Mais j'ai retraité, monsieur, hier, côté où pas la suprématie de l'autorité civile, c'était ambassadeur d'Haïti à Washington, les États-Unis pas de cas déporté parce que Raymond Joseph pas de blessure. Tout autre ambassadeur à Bassien, il pas qu'à faire. C'est selon les règlements établis. Donc ça, c'est cas institutionnel là, moi, deuxième cas là, qui c'est question légale là. Troisième bagage pour regarder, c'est intelligence. Ça veut dire qui ça a gagné comme information. Ça veut dire que pour opération ça a fait, il faut remettre par responsable l'État de son doux là. Ça veut dire que président privé, ministre justice, non, ministre affaires étrangères, via ambassade d'Haïti à Washington, il a communiqué par le gouvernement haïtien qui preuve que vous gagnez sous sa yabdia. Si le gouvernement pas recevoir preuve, il n'y a pas qu'à faire opération. Et c'est pour ça qu'il est important que le gouvernement vienne bail qui preuve l'idée dans le sous qui base il prend décision ça. Est-ce que son opération politique qui est liée ou bien est-ce que son coopération judiciaire est légale? Donc, et dans ce sens-là, dans l'intelligence-là, nous sommes obligés de faire attention. Pour qui ça? Nous songeons, et nous-mêmes, dans très matinal, nous sommes allés sous ça. Wikileaks vient faire nous découvrir que, il y a deux nègres dans le secteur privé du pays d'Haïti, ils ont besoin de prendre pour go naïf, là. Il y a un sénateur qui était bloqué, ou non, prend pour go naïf, là. Yo t'a assassiné sénateur à non cocktail l'ambassade américaine côté au fond dénonciation yo dit que sénateur a nan drogue mais objectif là c'était éliminer sénateur ça et puis pour yo ka prendre pour go naïf là à cause de WikiLeaks qui vient mettre toute table secret ça de département d'état public nous vient apprendre que c'est un montage politique qu'elle était pas de preuve réelle que sénateur ça était dans drogue tout bon. Donc ça veut dire que journée aujourd'hui en matière d'intelligence même ici aux États-Unis, il y a une grosse discussion. Ici aux États-Unis, entre républicains et démocrates. Ils ont dit comme ça, par exemple, que la Russie est intervenue dans l'élection américaine. Les démocrates ont dit, c'est la Russie qui est intervenue. Les républicains ont dit, service d'intelligence, ben nous, preuve là. Jusqu'à présent, on ne peut pas preuve là. Donc, ça veut dire que, au niveau intelligence, même par rapport à ce qui passe dans l'Irak, où ils ont dit, tu as gagné un bagage de destruction de masse, ZAM, il va te joindre. Donc, je veux dire, ça veut dire que, est-ce que Pierre Odélienne, est-ce que Annick François, est-ce que Camille Edouard, est-ce que Michel-Ange Gédéon et Privert, ils ont pris une décision ça sous base d'intelligence que se voit et sous base d'accord. Donc, jusqu'à présent, il faut qu'on baille nation explication pour baille. Au niveau politique, premier bagage là qu'on voit, c'est que ça vous dit à vrai, que ça vous dit à pas vrai, les sales souveraineté nous, l'identité nationale nous, et là, matin, ça, à sa volonté, je suis d'accord avec lui. Ça, dans quelque soit camp politique qu'on y a, l'issale nous en tant que haïtien. L'idrive nous dans fatra en tant que haïtien.